Bonjour les frères et sœurs et bienvenue sur Un Sur Bon Compromis. Nous sommes de retour, c'est la suite. Ça, c'est un témoignage puissant sous forme de réaction. En fait, une femme va réagir face à cette situation de la disparition brutale, tragique de cet homme qu'elle a, qui s'appelle tout simplement Brian Fombert. Cet homme a laissé sa maman, c'était le seul enfant de sa mère. Il est décédé suite à une attaque de ses ennemis. Ils l'ont poignardé à un endroit et cet homme est mort. Ça fait mal. Vous verrez avec plus de détails cette histoire dans cette vidéo qui va apparaître en dessous de cet écran à la fin de cette vidéo. OK? Bien. Nous avons entendu sa copine, c'est-à-dire la fille même qui est juste là au milieu, là. Nous avons entendu sa version des faits. Elle dit qu'elle est tellement traumatisée par cette affaire, elle n'a pas de, elle est dépassée, elle n'a pas un seul mot à dire, si ce n'est de vraiment regarder cette situation et d'en tirer une bonne leçon. Mais le problème, c'est que la manière dont elle a parlé et la manière dont elle s'était présentée dans cette vidéo qu'elle a balancée sur les réseaux sociaux, c'est une chose qui n'a pas été appréciée par beaucoup de personnes. Même moi-même, franchement, quand vous regardez la vidéo précédente, vous savez que ça m'étonnait. Comment est-ce qu'on peut perdre quelqu'un comme ça sous nos yeux et puis avoir le sang froid? Vraiment, ça fait froid dans le dos. C'est que nous allons l'écouter et nous allons par la suite écouter maintenant la réaction de cette femme en question qui fait l'objet de cette vidéo. Écoutons d'abord la fille. C'est parti. Bonjour à tous. Je suppose que c'est pas la grande forme pour tout le monde. On m'envoie des notes vocales qui circulent. C'est bidon. Donc, beaucoup de gens disent qu'ils attendent, machin, truc, mon explication. Mais veuillez comprendre mon émotion. Je suis sous le choc. Je suis choquée. Je suis pratiquement traumatisée. Mais je vous rassure, je vais bien physiquement. On ne m'a pas déshabillée, on ne m'a pas dit tout ce qu'on fait dans la, dit ce qu'on, dit, dit tout ce qu'on, on ne m'a pas fait tout ce qu'on dit dans la vidéo. Mais ils m'ont agressée. Ils ont voulu prendre mon téléphone. Je me suis débattue comme j'ai pu. Ils n'ont pas pu. J'ai gardé tous mes bijoux. En fait, ils n'ont rien pris sur moi. Ils n'ont rien pris. Ils m'ont juste cassé un ongle, comme vous voyez. Et sans plus. Donc voilà, quand j'aurai un peu de temps, je ferai une note vocale pour vous dire ce qui s'est passé. Nous sommes tous conscients ici que c'est une grande perte pour tout le monde. Parce que malgré le caractère qu'il avait, c'est quelqu'un qui était proche de beaucoup de personnes, qui aidait beaucoup de personnes. Et aujourd'hui, nous devons tout simplement d'être solidaires, d'être soudés. Parce que nous perdons un être qui était cher. Nous avons perdu, pardon, un être qui était cher et nous devons d'être soudés au lieu de se tirer les uns sur les autres. Et que ça serve également de leçon à tout le reste parce que ça peut arriver à tout le monde. Il y a quelques jours, on a perdu quelqu'un. Aujourd'hui encore, on perd quelqu'un. Je pense que nous devons quand même nous remettre en question. Et voilà, je vous souhaite bon courage à tous parce que les statues. Oui, c'est ce qu'elle a dit. Je vous souhaite bon courage à tous. C'est comme si, c'est comme si elle-même, elle n'était pas touchée. C'est nous qui sommes touchés. Donc, nous souhaitons bon courage. Oh mon Dieu! Hey! Tu as le point d'une femme, une copine. Elle dit que oh, tu as une copine. Et regardez ce qui va se passer. Et puis après, elle va venir parler comme ça. Moi, franchement, moi, ça me fait mal. Honnêtement, il faut que je sois honnête. Moi, ça m'étonne. Même si je suis à la place de cet homme, bon, je ne souhaite pas être à sa place, mais si c'est vous. Ah, face à ça, une femme a réagi. Toutes les femmes ont réagi, beaucoup de personnes ont réagi. Peut-être que dans la prochaine vidéo, nous allons tout vous montrer. Ce que nous allons d'abord écouter ça là d'abord. Écoutons la réaction d'une femme et vous-même, vous allez comprendre. Et dans sa réaction, elle va nous donner des conseils. Elle va donner des conseils au jeune homme qui aime beaucoup sortir avec les filles, qui sortent avec les boss du pays là. Du genre, toi, tu vois une fille qui apprend que elle sort avec le boss du pays, ces gens-là lui donnent beaucoup d'argent, tu vas aller sortir avec elle, juste pour avoir également un nom ou avoir aussi un peu de sous.
Elle va nous dire que si tu es dans cette vie, tu risques de te de rencontrer des problèmes, même la mort. Parce que cet homme, il a vraiment été poignardé. Il a été poignardé à plusieurs reprises par des gens. Et les gens sont en train de dire que c'est sans doute la personne avec qui, la copine avec qui il est là. Elle sort qui envoie des gens pour commettre le crime. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Tous ce sont les on-dit. Mais avant de juger, les gens, il faut les écouter. C'est pas de écouter cette femme ici. Ce qu'elle a dit, c'est tellement profond que j'aimerais partager ça avec vous. Nous allons continuer jusqu'à 3 avant de lancer ce témoin puissant. C'est parti. Une, deux et trois. Let's go. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à ceux qui écoutent l'audio. Je ne vais pas mettre long, donc je vais juste prendre un peu de votre temps pour essayer de ramener en quelque sorte certaines jeunes filles, certaines filles, certaines de mes copines, pour essayer un peu d'ouvrir les yeux. Wow. Ouais, c'est pas possible. Si tu sais que tu es la nourriture des grands, laisse les enfants des gens tranquilles. Laisse les enfants des gens tranquilles. C'est quoi? La vie, c'est un choix. Ou tu choisis marcher avec les bics, avec les boss là, avec les milliardaires, avec les hommes puissants. Ou tu choisis d'avoir ton bon gars et vous évoluez ensemble. La vie, c'est un choix. On n'a pas les deux. On n'a pas les deux. On n'a pas les deux. La vie, c'est un choix. Moi, je ne comprends pas. Les filles aujourd'hui, tu veux être en haut en même temps en bas. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et ce qui m'énerve même dans l'histoire, c'est que la bonne dame revient et nous dit, genre, eh, franchement, ils m'ont touché, ils m'ont juste touché, et puis j'ai juste cassé mon ongle et tout, franchement, mais je n'ai rien eu, et je vais me reposer ensuite, je vais vous dire plus tard ce qui s'est passé. Non, mais attends un instant, tu as pensé à sa famille, tu as pensé à sa pauvre mère, tu as pensé à ses amis, ses frères, ses soeurs, non, mais attends, on est où? On tombe du ciel là. Non, mais les filles prennent tout pour de la rigolade. Tu étais avec un gars. On vous a agressé. Toi, on ne t'a pas touché. On ne t'a rien pris. Tu vas dire quoi aux gens que ce n'est pas un règlement de compte? Si tu sais et tu es consciente que tu marches avec les hommes puissants, ma chérie, tu assumes. Tu restes dans la grande cour. On ne mélange pas. On ne mélange pas. Tu restes là-bas. Non, mais c'est terrible. Viens même essayer un peu de te lamenter. Fais même semblant d'avoir pitié. Pleure même. De toute façon qu'on dise que ouais, oh, la fille, si vraiment elle a pitié, vraiment elle a souffert. On ne voit aucun remords sur son visage. Aucun remords, même pas les larmes, même pas. Elle prend le temps de bien filtrer sa photo pour qu'on comprenne que non. Non, ma chérie, tu es jolie. Non, mais c'est terrible quand même. Hein. C'est quand même. Je ne sais pas. Les réseaux sociaux sont devenus au Cameroun comme, je ne sais pas, comme la maladie. C'est-à-dire, à chaque situation, on en profite pour devenir célèbre ou pour devenir star ou bien pour devenir quoi, je ne sais pas. Dans quel état est-ce que sa famille peut se trouver aujourd'hui? On ne sait pas. Dans quel état sa mère se trouve, sa pauvre mère peut se trouver à l'instant où je parle là. Mais la bonne dame vient nous dire comment elle a cassé son oncle, comment on n'a pas pris. Elle s'est débattue pour prendre son téléphone. Tu n'étais pas débattue pour essayer de sauver le gars, mais tu t'es débattue pour prendre ton téléphone. Et puis tu t'es débattue pour. Et vraiment, je n'ai rien eu, seulement mon oncle qui s'est cassé. Tu nous montres ton vernis gel de 10 000, de 15 000 et tout. Non, mais tu prends les gens pour des malades. Non, mais c'est terrible quand même. Tu vas nous expliquer plus tard ce qui s'est passé. Oh Seigneur. Pendant que les gens pleurent. Pleurent. Non mais c'est pas possible. Peu importe ce qui s'est passé.
Même si c'est un règlement de compte, même si c'est n'importe quoi, je suis déjà choquée par la vidéo que tu as faite. La vidéo là me fait d'abord très mal. Peu importe le genre, j'ai dit peu importe ce que tu vas dire plus tard, ça n'a plus de sens. Et aujourd'hui, tu vas dire ce que les gens racontent sur les réseaux sociaux, ce n'est pas ça et tout, ce n'est pas ça, c'est quoi? Tu crois que quand tu tournes là, on ne te voit pas? Tu penses que quand tu marches avec là, on ne te voit pas? Quand tu entres en voiture, on te voit? On te voit? Et les gens ne sont pas aveugles? Les gens ne sont pas fous? Laissez les enfants des gens. Laissez. Où tu choisis? Tu restes en haut, tu restes en bas. La vie, c'est un choix. Prends ton petit gars, vous vous battez, vous évoluez. Si tu ne veux pas, reste avec les boss là-bas en haut. C'est comme ça. Tu choisis, tu restes avec eux là-bas en haut. Ils vont te donner voiture, argent, maison, tout ce que tu veux, mais tu restes là-bas. S'ils ne te font pas ça bien, c'est ton problème. Mais laisse les enfants des gens. Non, mais attends. Regarde un jeune comme ça, plein de vie, vient de perdre la vie comme ça, comme un poulet. Comme un poulet. Non. Non, mais c'est pas... Tout ce qu'il y a ici, chacun en profite pour devenir star. Chacun en profite pour devenir star avec quoi? De toi, mon ami. Peu importe, les gens vont plutôt avoir peur de toi en disant que non, mais attends. Là où tu es, là, moi... je veux pas qu'on finisse avec ma vie. Non, mais c'est quand même terrible. Ah, Seigneur. À l'instant. Elle peut en mourir. De toutes les façons, c'est un conseil que je donne aux filles, vraiment mes soeurs là. Si tu vois que tu veux sortir avec les beaux pour essayer de relever le niveau de ta famille, s'il vous plaît, mettez les cœurs. Il ne faut pas que la vidéo se coupe. Si tu vois que tu veux sortir avec les beaux pour relever le niveau de ta famille, tu assumes. Maman, tu assumes. Et à un moment donné, quand tu vas arrêter, tu arrêtes. Tu arrêtes. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. La vidéo veut se couper. On veut couper la vidéo. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs, s'il vous plaît, mettez les cœurs. Partagez la vidéo, parce qu'il faut partager cet audio, parce qu'il faut que la fille, là, si on l'a pas encore lavé le cerveau, il faut qu'on lui lave le cerveau, au moins pour une fois dans sa vie. Non, mais c'est pas possible. Si tu veux sortir avec les boss pour relever, tu choisis un boss, deux, trois, c'est ton problème, on s'en fout, c'est ta vie. Mais tu assumes, donc tu restes avec eux. Les boss ici là, parce que nous les filles on a souvent les potes garçons, ils ne veulent même pas entendre que là, ils ne veulent pas ça. Il n'y a pas les histoires de potes des dames. Ils te laissent que tu marches, c'est tu marches comme ils veulent. Minuit, il te dit couche-toi comme ça, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Il te dit couche-toi comme ça, c'est pas le devant, c'est pas la nuit. Tu te couches, c'est comme ça. Et après il te claque le million. Il veut se couper, mettez les cœurs. Il te claque le million, tu pars en boîte, casser les blabaraques, tu casses les champagnes, tu achètes le fric, tu voyages dans les jets privés, dans les avions, on connaît ça. Wow. Hein? Mais ne mélange pas. Ne prends pas les enfants des gens. Tu embarques dans tes choses. Ne mélange pas. Ne mélange pas. On ne mélange pas. Voilà. Tu assumes ce que tu fais, tu assumes ce que tu as commencé et tu continues dans cette lancée, c'est bien. Hein? Personne ne te juge, mais de là à atteindre la vie des gens, ça devient déjà autre chose. Et maintenant, avant de passer, vous les gars là qui aimez marcher avec les jet-setteuses et avec les filles qui sont dehors, avec les filles, oh je marche avec telle, je marche avec telle là. J'espère que vous avez bien vu. J'espère que vous avez bien vu.
Parce que vous aimez souvent Ya ici dehors. J'espère que vous avez bien vu. Je marche avec telle fille. Je marche avec tel gars. Il va prendre les dos là-bas. Il va venir me donner. J'espère que vous avez bien vu. J'espère. Tirez bien vos oreilles aujourd'hui. Partagez la vidéo, l'audio là. Partagez ça. Il faut que ça tombe. Il faut que ça arrive sur la fille. Elle doit écouter ça. Et si on l'a pas bien, on lui a pas donné des enseignements. Il faut qu'elle écoute. Comme ça, prochainement. Elle va même venir faire semblant de pleurer. Surtout pour un gars populaire comme ça. Que ouais, Seigneur. J'étais avec lui, vraiment, je l'ai vu mourir. En plus, on dit que le gars est mort sur place. Sur place, ma chérie, tu viens, tu fais la vidéo, tu ne pleures même pas. Tu ne fais même pas semblant. Tu prends la peine de te connecter et d'aller sur Snap. Filtrer bien le visage, filtrer la photo et nous dit que tu as cassé ton ongle. Il nous dit que tu as cassé ton ongle. Ah ben moi j'ai rien eu. Je me suis battue pour prendre mon téléphone. Tu t'es battue pour prendre ton téléphone. Tu ne t'es pas battue pour sauver la vie du gars avec qui tu étais, maman. Eh Seigneur, eh Dieu. De toutes les façons, eh. Maman, partagez la vidéo, l'audio, que ça sensibilise les autres filles. Que ça sensibilise. Hein? Que ça les apporte quelque chose. La prochaine fois, pardon, faites l'effort, laissez les enfants des gens chez eux. Et les gars là, laissez les filles là tranquilles. Elles ne vont pas prendre l'argent là-bas et vous donner. Elles ne vont pas prendre et vous donner. Mais c'est même ça le problème, même souvent, c'est que tu sais bien que c'est la go de telle. C'est la go de tel ministre, c'est la go de tel boss. Tu cours vite, tu commences à marcher avec elle parce que dans l'intention qu'elle va te les dos là-bas, venir te donner. Faites attention, les gars. Faites attention. Faites attention. Ouais, soeur, ça fait tellement mal, ça fait tellement mal. Je comprends clairement, je comprends que c'est le sentiment de la femme, il voit quoi sa réaction, même si c'est vous, même si c'est vous. Le monsieur, le jeune homme est décédé juste comme ça. Eh, Seigneur Jésus. Une autre vidéo va suivre, restez connectés, nous allons apprendre beaucoup de choses.